Mesdames, messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue dans le titrologue de ce jeudi 26 janvier 2023. Le journal Fraternité Matin consacre sa une à la coopération ivoiro-française. Le président de la République de Côte d'Ivoire a été reçu hier au palais de l'Élysée par son homologue français. Ouattara et Macron saluent un partenariat solide et confiant. Découvrez plus d'informations sur cette rencontre par le journal Fraternité Matin. Exclusif, l'affaire des 516 millions de francs CFA à la RTCI. Il n'y a pas eu de détournement à la RTCI, affiche le journal Le Jour Plus. Découvrez toute la vérité, les acteurs de la cabale démasqués par le journal Le Jour Plus. Nous avons grandi ensemble. Et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Terminé le point de l'actualité en Côte d'Ivoire avec le journal L'Essor Ivoirien. Assini, municipal 2023. Après sa désignation par le roi de la cour, Pierre Magne, je rejoins le RHDP pour accompagner le président Ouattara. Plongé dans l'intégralité du discours de Pierre Magne par le journal L'Essor Ivoirien. Titrologue pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkios.com. Merci de votre aimable attention et excellente journée à toutes et à tous.